Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle soirée de folie. Wow, c'est Lâche la manette. On est super bien accompagnés, regardez-moi ce casting de dingue. Mesdames et messieurs, effectivement, il manque quelqu'un. Il manque Hakim Djemili. C'est Hakim qui est en retard. Vous savez, il était avec moi dans le whoop, il est pas là. C'est une habitude chez lui, les retards, le manque de sérieux. Le pire c'est que non, c'était le plus ponctuel du whoop. Comme mais quoi ça arrive à tout. Tous les films en ce moment qui passent, moi je cherche un film sans lui, sinon... c'est plus facile de filtrer sans lui. Tous les films, je te jure. Ça fait canapé un petit peu vite, surtout à côté de notre invité de luxe ce soir. On va commencer par lui, mesdames et messieurs, du bruit. Pour celui qui s'est déplacé pour nous déjà, mais qui nous fait le plaisir d'être là. Soprano, mesdames et messieurs, et sur Twitch, sur la Kotaka TV, pour Lâche la manette. Soprano, déjà bienvenue à toi. Ah ben merci pour l'invite. Hein. Comment tu te sens là, toi qui as vu un peu les coulisses, t'as vu la prépa, t'as discuté un petit peu avec tout le monde. Comment tu te sens et comment tu sens la soirée? J'ai vu qu'il y avait beaucoup, il y a une grosse bande d'hypocrites qui disent que ça ne pas jouer. C'est ce que j'ai remarqué. Il y a que des mythos. Vous avez invité Soprano pour son niveau à FIFA, c'est vrai? Non. Parce que... Je préfère préciser, parce qu'on m'a expliqué qu'une fois vous avez invité un Marseillais. Oui. C'est ça? On a invité deux Marseillais. Naps aussi, les deux. Il y a Naps et USCH. Oui. Eux, ils dorment sur la manette. Voilà. Ok, okay. Apparemment, non. Voilà. Bon, sinon, ça te fait plaisir d'être ici. Ouais, grave. Qu'avec des mecs qui me cassent le ventre, donc c'est bon. Écoute, moi, je dis rien. L'année dernière, SCH, il disait ça. Il a mis 5-1 à Monsieur Squeezie juste ici. Encore traumatisé. J'ai pas joué à FIFA depuis. Moi, les gars, je vous crois plus. Il y a que des mythos. Moi, je vais jouer à fond tous mes matchs. Moi, j'ai une revanche à prendre. Dernière fois que je suis venu dans ce studio pour jouer à FIFA, c'était contre Gotaga qui m'a gagné 2-1. Et depuis, je me suis un peu entraîné, j'ai un peu joué à fut. Donc là, Evic, si jamais. Moi, je joue, moi, vraiment, je vole le plus grand des hasards, tu retrouves Gotha. Je vais tout faire pour avoir ma revanche. Oh, wow. Et toi, tu joues, toi? Je garde un petit niveau. Non, mais ce soir, tu joues? Je suis aussi player ce soir. Mais déjà, le gars avec la chemise, là, je pense qu'il a un niveau. Oh, juste avec la chemise, il a un niveau. C'est exceptionnel. C'est vrai, comme je le dis souvent, on l'apprécie deux fois. Déjà, parce qu'elle me va bien, et après, on voit la ref One Piece avec tous les petits motifs. One Piece. Elle me porte genre, je n'ai jamais perdu un match à FIFA avec. Donc, il vient de te répondre, il est très fort. Mais en fait, toi, tu peux mytho, parce qu'on connaît pas, on a jamais joué avec toi. Mais toi, Doig, tu peux pas nous mentir en nous regardant dans les yeux. Non mais vous voulez que je vous dise un truc? L'année dernière on a fait le truc, il a fait putain j'ai le seum de pas avoir participé d'avoir host, je les aurais tous lavés. Du coup cette année il a un c'est facile de dire ça comme ça. Il parle comme ça déjà. Non, attends, parce que j'ai vu Roman mal me regarder parce que Roman était l'année dernière. Non, je ne pensais pas à tout. Ah non, j'étais pas là moi. Je sais. Ah ouais, ok, j'ai beaucoup compris. Ne démarre pas, ne démarre pas. Vraiment j'ai douté, je me suis remis en question demain là. Il y a un énorme 3 à gauche, chaque fois ça me tue. Bah ouais. Pour sa défense, c'est le vainqueur de l'année dernière, donc il peut tout se permettre, il remet le titre en jeu. Il avait gagné là. Ah oui, mais oui, mais il est vraiment fort. Mais il m'a déjà il m'a battu à 10 contre 11. Mais je me souviens, la joke en plus, c'est que tout le monde a pris Hakim de haut. Et derrière, il disait rien et il a surpris tout le monde. C'est vrai que c'était incroyable. Il m'a déjà humilié chez moi avec que des frappes en dehors de la surface. Vraiment, je suis son petit. Ah ouais. Et à côté, avec des petits regards comme ça, papa, il m'allume. Non, il m'a brisé. Il fait très peur. Après, la défense. FIFA, c'est quoi ça? Je le connais pas. Il est signé pro. C'est pas une carotte pour le coup. On connaît ça. Bref. Ah, vraiment? Mais lui, il a vraiment failli signer. Ouais, il est dans son formation. Et réellement les joueurs pro de foot, ils ont des ça se voit pas. Parce qu'ils comprennent mieux le jeu, tout est plus logique. Toi d'ailleurs, qui est aussi un petit peu dans le foot, là il y a le match qui arrive la semaine prochaine, il y a le gros match contre l'Espagne. Est-ce que tu penses que ça va t'aider pour FIFA? Hier au stade, avant-hier. Bah alors Amine, ça va t'aider. Trouver les 1-2. Moi je vais être honnête, ils savent même pas faire des 1-2 leur équipe déjà. En fait. C'est grave, ça va. Supporter de l'Espagne ou quoi toi? Attends, non mais. Non mais Amine, t'es comment un peu? T'as plus paquet que jouer. Non mais toi te mets pas dans ma team. T'as paquet, t'as joué toi. Toi t'as joué, arrête. J'ai pas joué du tout. Non, lui il a vraiment jamais lancé le jeu, je crois. Moi j'ai vraiment ouvert que des packs et j'ai mis 5000 balles. Je dis ça pour toi, Amine, au cas où t'as re envie de packer, il y a une match fut le 11 novembre. Je t'invite à suivre ça de très près. C'est celle la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde qui est. Que vous rentrez pas. Ça me va. Donc ça. Tu l'appelais comment? Allez, alors la composition des équipes. Ça va être quoi? Il y a un mytho ici, c'est Roman. C'est lui, c'est ce qu'on a dit. J'allais dire. C'est un mytho. Vous allez monter une légende, je vais être pitoyable. Tout le monde va se moquer de moi. Je suis éclaté. Ça crée du contenu et ça fait des vues. Je rajoute un truc, c'est pas forcément pour ramener encore une fois le niveau de Roman en avant, mais il est venu avec sa manette. Voilà. Quoi? Mais non. Non. Je l'ai fait faire par un ébéniste. Ouais, mais excuse-moi. Non, mais c'est vrai. Excuse-moi, sensible. Elle est hyper sensible. Elle marche empreinte digitale. Elle est là-haut. Mais bon, voilà. Il y en a qu'une dans le monde. Bon, c'est pas grave. Mais c'est juste un truc que j'ai fait une fois que j'ai gagné un tournoi international. Mais est-ce que la manette de Roman lui suffira face au tenant du titre, mesdames et messieurs? Il est là, il est avec nous, il nous rejoint à l'instant sur le plateau. C'est Hakim Djemili, la star, vainqueur de Lâche la manette l'année dernière. Comment va vos gosses? Ouais. Vous avez bien, les gars? Gros joueur. Dis-leur, je suis éclaté à FIFA. Il est très très bon, l'enfoiré.
Tu vois, c'est bien, on vient casser les gens. Hors surface. Dans les bureaux de clics, ils s'entraînent tous les jours. Ils travaillent même pas ces chroniques. C'est que de la pro, les chroniques, c'est ça. Premier match, Gotaga et Mister V. Voilà. Premier match, direct. La revanche. La revanche. Il s'est entraîné depuis un an. Il y a un an et demi quand je joue au jeu. Là, tu vas m'éclater. Deuxième match de ce soir, ça sera Soprano. Il ira sur le terrain contre Squeezie. Soprano, Squeezie. À préciser, ne mettez pas au même niveau que les autres Marseillais, s'il vous plaît. Merci. Non, mais c'est bien. Moi, je suis le plus nul ici, donc ils ont mis bien. Ça veut dire aussi, si je perds, c'est la misère aussi. Non, non, c'est non, on y va. C'est vrai aussi. Ouais, c'est vrai que c'est une pression quand même. Quand on parlait de football et qu'on disait que Kim a failli passer pro, il pensait que c'était de gaming. Ah non. Et je lui dis, mais c'est moins surprenant le gaming. C'est plus de vrai football qui m'étonnait. Non, c'est le vrai. Ça peut être étonnant. Ça me tue parce qu'il est failli être joueur d'e-sport FIFA, quoi. Pourquoi directement t'as relié? Pourquoi pas le physique? Enfin, pourquoi pas en vrai, quoi? Bah, je sais pas. Rien à voir avec son physique, en tout cas. Il a des mollets, ouais, oui, il a des mollets. Il a des mollets. Si tu vois que les jambes, tu peux. Ouais, mais après, c'est chaud. Et après, tu dégrades et c'est équilibre. Troisième match, effectivement, ça sera Hakim qui sera sur le terrain, ce sera contre moi-même. Ouais, mais ça, c'est la finale, peut-être. Finira du coup avec Amine d'un côté contre Roman. On le savait pas. Dessiné de l'autre. Non, ça va être intéressant. Dans tous les cas, vous l'avez compris, c'est match à élimination directe. Ce qui veut dire que là, on va avoir Gotha, Mister V, celui qui perd. Il va passer une très bonne soirée. Ah, donc après, on joue plus, on est à côté, on fait que des vannes. Après, c'est voilà. T'es sûr, frérot? Ah, c'est sûr, c'est match à élimination instantanée. Là, tu perds contre moi, tu peux rentrer chez toi. Mais t'es sûr, Dwagby, t'as pas être. Parce qu'en fait, on est dans le format Coupe du Monde. Du coup, on reprend ce qui est sorti hier. Mais c'est bien, c'est le jeu, ça veut dire tu vas Du coup, on arrive direct sur les 8e de finale. Mais c'est le foot. Il peut tout arriver. Oui, il y a un bon buffet. Tout est possible. Le vrai suspense n'était pas sur les rencontres. Les rencontres, vous l'avez vu, on le sait tous. Ce qu'on ne sait pas, c'est qui va jouer quelle équipe. Ah putain. Ah oui. Ah oui. Et ça, les équipes qui peuvent être sélectionnées sont forcément qualifiées justement pour la Coupe du Monde. Il y aura la France, il y aura le Brésil, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, l'Argentine, le Sénégal avec Sadio Mané, la Belgique, l'Angleterre et la Croatie. Non, mais je crois qu'ils vont mettre l'Algérie. Je crois qu'ils sont parlés. Mais ils sont pas qualifiés, je crois. Ah, ouais. Ils sont parlés. Et en gros, pour pouvoir sélectionner une équipe parmi les 10, c'est très simple. Je vais vous poser des questions et celui qui répond le plus vite possible pourra sélectionner parmi les 10. Première question, je rappelle que celui qui répond bon prendra sûrement la France. Mesdames et messieurs, qui aura la France ce soir? Synonyme peut-être de gros résultats. Quelle équipe a gagné la dernière Coupe du Monde? La France! C'est Mister V. Non, non. Attendez, Mister V. Non, t'es pas, on parle non, de j'ai dit aussi. Là. Peut choisir en priorité parmi les 10 équipes. Prends pas le Sénégal, s'il te plaît, mon ref. En honneur à la personne qui m'a offert un maillot dédicacé qui est actuellement dans mon bureau. Il veut juste flex. À savoir Mbappé. Quoi? Il veut juste flex. Il a un maillot de Mbappé dédicacé. Il flex en plus. C'est pas son prénom, c'est pas son prénom. C'est Thibaut. La France! La France est sélectionnée. C'est maintenant, la question est simple. Quelle équipe, 4 fois championne du monde, n'est pas qualifiée pour la Coupe du l'Italie. C'est son pays, c'est l'Italie. Oui, Hakim Djibril. Brésil. Oh, putain. Ronaldo. FF. Là. On a joué à Hakim Djibril, quel Brésil, tu veux qu'on passe quoi? Et on peut pas faire les papiers dans un récipient. Les deux. Pas mal. C'est bien ça. C'est bien. Ça me plaît aussi. Pour ça, les trois derniers. Non. Bah, j'aimerais là. J'ai chaud des petits papiers. Moi j'ai cool. Ça fait bien coupe du monde, tu vois. On fait le quiz pour finir, mais on nous ramène des papiers. Voilà. Attends, tu sais quoi? On compte les points du quiz et le gagnant du quiz, lui, il choisit son équipe. Comme ça, on a coupé la poire en deux. Et les autres, c'est un petit papier. Un point pour Hakim. Et un point pour Ivic. Un point pour Ivic. C'est très bien. Ça veut dire que là, on joue tout pour l'équipe de France. Attends, tu vas enlever la France là? Gagner le quiz, moi. Tu peux garder le maillot. Par exemple, là, si je vous dis tout de suite, combien de schémas tactiques sont disponibles dans FIFA 23? 24. 27. Moi, je dis 22. Ok, donc 23. 23. 22. Quoi? 30. Moi, c'est mon accent algérien. Ça sera au plus proche, hein. 28. 28. 29. Il y en a 35. Le plus proche, c'est Hakim. Avec 35. 2 points. Regarde le chat, ils ont tous dit des chiffres au hasard. C'est pour ça que tu vas dire 33. Après, je pense que personne là, faut aller sur le jeu vérifier. Combien de matchs doit-on jouer pour remporter la Coupe du Monde? 7. Qui a dit ça? Moi, c'est moi qui ai dit ça. C'est une bonne réponse. T'entends rien, t'entends très mal. C'est moi qui l'ai dit. Il arrive en retard. Tu me l'arrives en retard. Non, je crois que c'est vraiment Hakim. Non, mais là, c'est une rapidité qui est inquiétante. Fais d'autres choses de ta vie à un moment donné. Si t'as l'info comme ça, c'est que t'as toi. S'il a la suivante, je suis choqué. Combien d'équipes participent à la Coupe du Monde? Ah putain. 22. 32. 12. 32. Je l'ai tenté. Attends, c'est quoi? Attends, il y a égalité là. 3-2. Non, il y a 3-2. Il y a 3-2. T'as dit 22. T'as dit 22. Écoutez bien. Le chat, il a dit 22. T'as dit 22. Replay. Je le jure. Vas-y, on. Attends, mais la VAR. La VAR, s'il vous plaît. Non, t'as bien dit 22. Quoi? Voilà. Merci. J'ai vu ta bouche faire 30. Mais après, t'as dit vraiment 32. Si tu penses à faire le clip, on va faire le clip. Bien, on tient là. Alors attends, si tu demandes le clip, c'est-à-dire que pour toi, t'as le Sénégal par d'office. Ouais. Et bah j'accepte. Ok. Oh,
Retrouvez Clip. Je jure que je suis pas menteur. Faites les efforts, retrouvez Clip. C'est il y a quelques secondes sur cette chaîne. Si tu as dit 32, ça c'est du show. Ça c'est du show. Oh mon dieu. Moi il a dit 22. Ça c'est du divertissement ce que tu nous proposes. Quelle équipe a gagné le plus de coupes du monde? Le Brésil. Ça j'ai dit. Oh je sais plus. Je crois que c'est Roman. J'ai entendu moi. Je te l'ai poustillonné dans le. Non, Roman en premier. Peut-être donner ton point à quelqu'un. Avec plaisir. À qui donnes tu ton point? J'aimerais le donner à Soprano. Et Soprano fort. Vas-y, prenez-le de toute façon, vous me l'avez volé. On a beaucoup arnaqué, mais là on arnaque un peu une fois sur le repasse. Hakim remporte le quiz. Hakim peut choisir son équipe. Les autres sera de manière aléatoire, sauf Amine. Il s'est mis un petit peu en danger. Et tu prends le Brésil. Bah non, je prends la France. Bon, le Brésil, t'aimais pas la poule? Non, non, j'adore la France. Hakim aura la France, mesdames et messieurs. Le Brésil. Mais si je perds quelque chose, si j'ai menti, faut que je gagne quelque chose. Si j'ai dit la réalité. Ouais. Si t'as dit la réalité, je te donne la France. T'as dit quoi? Ah ouais! Dans combien de temps il a dit la réalité, lui donne la France. Mais attends, mais moi je joue contre lui, Hakim! Si il a dit vrai, je donne la France. Il va lui donner son équipe alors qu'il n'a pas besoin. Là, c'est simple, Amine, il a soit le Sénégal, soit la France. Donc sa soirée, elle est soit niquée, soit réussie. Voilà, ok, à ce qui paraît, le clip est prêt. Si vous voulez, on vérifie en images et on écoute tous très très bien attentivement ce que dit Amine. On écoute tous à fond. Envoyez le clip. Combien d'équipes participent à la Coupe du Monde? Ah putain, 32 Excuse-nous! Oh mon dieu, il a dit 32! Non, je suis juste en train de. Bien joué! Bien joué, je suis en train de me dire. Alors, on prend la France? La France? Toi, tu t'en remets au tirage. Je vais me tirer. Ok, Amine aura la France! C'est du divertissement ce qu'on vous propose. C'est du divertissement. C'est du vrai divertissement. Les gars, voici l'équipe pour Hakim. Est-ce qu'on est prêts? On est prêt. Une main pliable. Oh, si tu tires le Sénégal, je suis tellement heureux. Et si ça te plaît pas, t'es juste raciste. Pour Hakim. L'Algérie. Non. C'est pas vrai. Il a perdu. Angleterre. Ça va. Je n'ai que des joueurs qui jouent plus. Okay. Budget. Pour Soprano. Allemagne. Oui. C'est bien. Roman. Sénégal. Désolé, Sénégal. Let's go. J'aime beaucoup cette équipe. Non, j'aime beaucoup cette équipe. Vraiment, je pouvais pas rêver mieux. Est-ce que tu peux donner le papier à non, non, parce que j'enlève la frustration avec le papier. C'est celui-là le tien. C'est pour moi là que tu tires, Gota. Ah, j'avais pas capté. Croatie, Modric. Je vais faire une vanne au début. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déçu qu'il ait la Croatie là? Non. Pas grave, moi j'en veux. Pour Gotha. Non, c'est quoi, Brésil, c'est quoi Espagne, Portugal aussi, doit rester. Argentine aussi, du reste. Argentine avec le Messi. Très bien. Pioche pour moi et je pioche pour toi. Belgique. Très bonne équipe. Ok, putain. Attends, mais il est forcément le Brésil. Et toi, tu as le Portugal. Portugal. Attends, mais du coup, le dernier papier, c'est le Brésil. Ouais, il reste deux papiers. Bah, tu vérifies les. Il doit rester Brésil et Espagne. Il reste donc Espagne. Espagne et Brésil. Il n'y a pas de triche. Toutes les équipes étaient bien dans les chapeaux. Je vais vous faire contre les Belges. Je suis désolé, je suis trop nul à FIFA. Portugal, il parle quelle langue? Le portugais. Quel autre pays parle portugais? Le Brésil. C'est pas pareil si je prends le Brésil en vrai. Ça va être bien essayé. Est-ce qu'on peut rappeler une dernière fois les équipes? On commence par Hakim. Angleterre. Bravo. Allemagne. Brésil. Croatie. Non. Quoi? Ouais, c'est passé comme une lettre. C'est encore lui là. Magro show. Dans le Sénégal avec plaisir en plus. Croatie. Argentine. France. Wow. Non, tu peux pas. Belgique. Non, c'est, honnêtement, c'est du très très long. C'est bien. Ce Portugal, moi je suis peut-être pas. C'est très bien, Portugal. Messieurs, le tournoi commence maintenant. Gotaga et Mister V, vous êtes appelés sur le terrain. Gotaga va jouer l'Argentine. Mister V, le Portugal. On y va. Toi, me détruis pas. Et le French Monster, je suis le French Bizzaiolo. Bonne chance, messieurs. Bonne chance, les gars. La caméra, c'est pas ma caméra, mais c'est pas grave, on va s'adapter. Pour l'instant, c'est Gotha qui se montre le plus dangereux, toujours aux abords de la surface adverse, mais il trouve pas l'opportunité de frapper. Il défend bien, Yvick. Yvick, il se jette pas, mais des fois, être trop patient, trop dans l'attente, on peut se faire punir. Regardez, justement, avec la Coquetta. Mais il se laisse pas faire. Mais non, Yvick. Ah, j'ai paniqué. Je vais te frapper. Penalty? Non, c'est un penalty. Penalty! Penalty! Oh,
comment on les tire sur ce jeu. Tac, plus dans c'est ce super dur. En gros, t'as un cercle qui se réduit. Faut mais j'ai un tir au milieu. Ça fait quoi blagué. Il dit que t'as cru pas aller tirer. Regarde, j'ai fait un putain. J'en ai fait un tout. Il a fait en or, ça va tirer au milieu. Et il a tiré à gauche. Je vous rappelle qu'il a joué deux fuites champions. C'est vraiment un chien. C'est un chien de ouf. Mais là, vous voyez le vrai visage du French Monster. Il a plus d'une vite en ressaisie-toi. C'est bien. Oui, c'est clean ça. Voilà. Oui. C'est bien, c'est bien. Oui, 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 oh, okay. Dommage, okay. Dommage. C'est dur de marquer. En plus, les corners sont super durs sur ce écoute jeu. Pas, écoute le pas. Écoute le pas, ça n'a jamais été aussi simple. Ah, il a fait le plus dur, hein. Il mène 1-0, forcément dans un match. Ça, Yvick, magnifique. Ah, il mène, je dirais que ça aide psychologiquement. Remets, bien. Allez, ça part à gauche. Ça part à gauche. Elle est belle, ça. Ah, putain, j'ai fait nimp, j'ai fait nimp, là. Putain, j'ai trop le feu. Attends, ça passe trop vite, frérot. Attends, ça va vite, là. Ça va aller. Un perso de tes sketchs, frérot. J'ai fait d'un. Non. Continue comme ça, moi. C'est un bon match. C'est très bien qu'un but, c'est terminé. Il peut clôturer. Il peut clôturer là-dessus, Gotha. Non, pourquoi il est pas... Bloqué. Oh. Allez, bloqué. La contre-attaque. Oui, c'est oui, parti, oui, ça oui. Part, voilà. Ouh. Allez, c'est parti, voilà. Allez, c'est parti, frérot. Un allez, frérot. Allez, frérot. Allez, allez, t'es allez, t'es battu. Là, que j'ai battu. Oui. Oui. Oh. Il y a plus un mot. Rien, son visage a changé. La raison, c'est le mot tournoi. Alors, il s'est rapproché 10 cm de l'écran. Là. Hey, Gotha, faut tirer à un moment, frérot. Ouais, là, 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 ça y est. Ah, là, là. Mais non, mais putain. Putain, j'ai des mauvais endroits. C'est en de mire. Allez, il est concentré. Franchement, cette petite passe en profondeur en l'air, maîtrisée. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, mais là. Ah, waouh. Et peut-être que. Oh, dommage. Oh, les deux. C'est ok encore. Ouais. Panique pas, Evic, panique pas. Ouais, j'avais des flèches. Ouais, je fais quoi les flèches? En fait, il peut lancer son joueur. Il peut lancer son joueur. Non, putain, le débile. Ça va, j'ai arrêté de ouf là. J'ai arrêté là, putain. Mon rire là, c'est con. Il y a rien qui est plus galerie que de voir Yvick jouer. Bon, attention, attention parce qu'il y a le surnom. Il y a le surnom pour l'Argentine. En plus, c'est Lionel Messi. Qu'à la balle. Non. Très bien défendu par Fernandez qui envoie sur Ronaldo. Ah ouais, c'est pas tu lances le mec dans la trappe. Pas de bonus. Mais non, c'est. Oh, allez, pète celle-là sur Mendes. Nuno Mendes. Regardez, il voilà. N'y a pas de panique, il vient changer l'aile pour allez. Trouver la petite tête qui va donner aïe. Sur le milieu oh, central. Non, et non, c'est l'Argentine, sur non, une non. Belle contre-attaque avec Lionel Messi. Oui, c'est oui. Parti Maria. Oh, c'est Messi, mon ref. C'est pas fait. Suffisant. C'est que des gris-gris, c'est du cinéma. Mais non, c'est frérot, ça, il bloque, c'est du cinéma, Gotaga. C'est vrai que c'est serré, là. La défense, elle est serrée. Gotaga, c'est que de l'apparence, regarde. C'est pas efficace, c'est pas efficace. Alors que côté divine, on joue simple, des petites passes, très simples pour aller vite vers l'avant. On vient le chercher. On vient le chercher dans sa course. Félix. Jean Félix. Seul à droite. Oh, regarde la tête. Oui. Le centre de fou. Pourquoi pas, pourquoi pas. J'essaye de tirer, les gars, il y a des défenseurs devant, vous voulez que je fasse quoi? Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de défenseurs. J'ai fait comme s'il avait marqué, mais il a pas. Il a une occasion dans sa tête, c'est. Mais me dis pas que ça se finit au tir. Oh oui, j'aime bien ce qu'il vient de faire là, encore une fois, Mister V. Non, non, Yvick qui est rentré dans le match, là. Oui, 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 oui. Frérot. Il vient de retrouver non, son niveau. Ficelle, ça sent la séance de table. Ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. Ah, c'est pas ouf. Ah, oui, oui, oui. Yvick, oui, t'as oui, pas loupé ça. Séance de table, c'est pas loupé ça. Tir au but. Ah, on a très peur des TAB. Ah, ouais. Non, mais c'est honnête. Hein. T'as raison de demander. Essaye. Oh, Roi Félix. Essaye. Non, c'était même pas lui. On va tirer. Pourquoi pas, corner. Non, tu joues trop pour l'entertainment là. Mais n'empêche, ils nous offrent du spectacle les deux là. Oui, oui, c'est beau. Au moins, on stresse, on vibre avec eux, mais il nous faut un gagnant. Il nous faut un gagnant. Parce qu'on peut le dire. Peut-être pas ça. Oui, oula, allez, oula, oula. Allez, c'est fini. C'est peut-être fini. Il est pas en jeu. Yvick. Ah, il est soulagé. Maintenant, il est soulagé. Ça fait si. Ah oui. Je me sens pas si. Je suis fini de l'ancien. Yvick, c'est pas fini. C'est pas fini. Attends, attends, attends. Yvick, c'est pas fini. Non, Yvick. C'est pas fini. Oh, le mental. C'est pas fini. C'est pas vrai. Le mental. Oh, le mental. Le mental. Non. Tiens, tiens. Mais oh non. Ouah gros. Allez, sort. Oh attends. Oh non. Gotaga. C'est pas grave.
J'aimerais. Le fair play avant tout, les gars. Regardez, c'est beau, c'est des belles images. C'est beau, c'est beau, bravo. Bravo à tous. Bravo. Bravo. T'as croqué. Je vous jure, il défendait bien. Il se mettait toujours en opposition. Je ne pouvais pas avoir ce trou tiré. T'as gagné, tu le complimentes derrière. Bah ouais, il défendait bien. Qu'est-ce qui t'a manqué, Yannick, alors qu'on l'a dit, 6 mois d'entraînement intensif? Non, mais en vrai, de vrai, dernier but, il y a un moment, j'ai laissé passer. Je pensais déjà à ma prochaine attaque. Il m'a eu. Et c'est là le talent des. Vraiment, il défendait super bien. Il n'y avait pas de trou. Le talent des grands joueurs. Pour un mec moyen sur FIFA, il n'y avait pas de trou. On y a cru sur la dernière action. Et ça fait quoi faire éclater par un mec moyen? Ça fait comment? Bon, je l'ai fait plein de fois, ça. C'est pas la première fois que je me fais éclater par un mec moyen. Pourquoi nous décrire le sentiment à l'intérieur que tu vis actuellement? Ça fait mal. Tu vois, on va préparer le second match. C'est qui? Avec d'un côté Squeezie. Oh, Sopra, c'est nous. Soprano, on y va. Ça va être le match le plus stérile. Soprano, t'es bon au niveau des touches ou pas? Que dalle. Tu veux jouer? Ah oui, je suis en train de vérifier. Tu veux la balle pour vérifier, c'est bon? Vas-y, c'est bon, t'inquiète. Mais ça joue avec une télécommande free, là. Mais pourquoi? Sopra, reste dans ton match, écoute pas. C'est tellement mouillé. Pourquoi? Par contre, tu prends des risques. Amine a commencé à faire des vannes avant d'avoir joué. Regardez, Soprano qui joue l'Allemagne, on le rappelle, qui joue en blanc sur ce match-là. Et d'ailleurs, c'est Soprano qui va s'illustrer le premier devant les gars. Une frappe extérieure directe de Soprano Baba. Il est mort de rire. Oh! Le monsieur! Qu'est-ce qu'il fait? Donne-lui! Ça passe! Oui! Ça passe! Oui! Ça passe! Mais attention! Ça passe, mais attention, il reste du temps, il reste beaucoup de temps. Vous avez vraiment mis par un niveau là. Alors moi je me tape le French Monster. Lui se tape le French Toast. Le quoi? Le French Toast. Tu parles de Squeezie là? Les deux, frère. Le mec. Le gars, il est éliminé, il parle mal. Rien à voir. Je t'assure, tu demandes au chat, normalement, t'es content de me tomber sur FIFA. Allez, faut lui donner. C'est beau? En retrait, on se colle en retrait. Oui, C'est lui. Soprano, grâce au chat, encouragé par le chat, il a rien lâché. Il lâche rien, mesdames et messieurs, grâce à vous. Heureux. J'ai la haine. Ok. Ah ouais, mais moi. J'ai pas fait exprès. Oh, ça va être chaud. Je dis la vérité. Hein. Le mec, il précise. Moi, j'ai vraiment fait la tête. Il nous a caché ça. Mais Lukaku, dans le jeu, c'est un frigo. Comment vous trouvez la soirée, mon cher chat? Est-ce que vous vous appréciez ce jeudi soir? Voilà, cette envie de se regrouper, de profiter du nouveau mode de FIFA qui est en train d'arriver, qui est en place. Allez, attention. T'en supplie. Tu la croyais d'après. Voilà, tout est à refaire. Tout est à refaire, Sopra. Tout est à refaire, les mecs. Mais on lâche rien. En fait, personne pourra le vanner parce que c'est pas un youtubeur. Un gamer FIFA de base. C'est pas un youtubeur. Non, mais c'est pas un gamer FIFA. Alors que moi, j'ai renommé international dans ce jeu. C'est vrai qu'on m'a tous dit, ouais. Et regardez! Aïe! Par contre, ce panneau, c'est la honte. Frérot, t'as pas le droit. En plus, on en a parlé juste avant. Juste avant, t'imagines? Je suis très prudent de. Oh, les gars! Ah, c'est bien la squeeze, hein? Squeezie? Franchement, ça joue, squeeze! Hop! Ah. Là, les gars, je pouvais faire quoi? J'étais triangulé! Ah, c'est très bien, frère, t'as gagné! Bravo, et victoire de Squeezie! Il fait déjà une meilleure prestation que l'année dernière! Bravo, mon Sopra! Très bien, meilleur que moi! Serre la main! Merci! C'était un beau match! Je décide quand même que tu sors, voilà. Tu m'assois là. C'est la chaise des losers. Là, mais pas là. Ouais, okay. Pour l'instant, ouais. Franchement, exactement. Attendez, les gars, il y a une rumeur à démentir. Oui. Roman, as-tu vraiment ramené ta propre manette? Ah oui, oui, oui. Ouais. Après, peut-être c'est surtout un cadeau sentimental, c'est pas vraiment pour la performance. Non, bah c'est un peu performance parce qu'il y a des trucs et tout ultra technologiques. Tu sais qu'il est gamer. Il est assez intense. Il y a un truc de sensibilité. Elle est dans des matériaux très rares. Mais on veut la voir. Elle est où? On la verra lors du match avec Roman, qui sera juste après, mais il ne la sort pas pour rien, elle est toujours protégée. Bah là, je peux pas la sortir parce que c'est un peu radioactif le délire en fait. Mais dès qu'il y a un match, il doit avoir des trucs. Ouais, c'est violent, ouais. Moi, j'ai pas le droit de la toucher plus de 25 minutes par jour, sinon c'est dangereux pour ma santé. Hakim, je crois que c'est à nous de jouer. Je te respecte de fou, mais ça y est, tu t'es fait laver là. J'ai prévenu. Écoute, on a le droit de se plaindre. Quand tu auras perdu, tu vas revenir, tu vas te plaindre de la même manière. Non, je vais m'asseoir et je vais être dépité tout simplement. Attends, mais j'ai une question importante quand même. Les pizzas, elles sont chez
Carrefour au Champ Leclerc. De nouveaux goûts. De, c'est ça, exactement. Bolo di mozza et végétariano. Mais vas-y, c'était pas, ah, c'était pas ça. Non, si, c'était ça de base. Okay. Et à Marseille, où on les trouve où nous? À Carrefour, Leclerc ou au Champ. C'est partout dans toute la France en fait. Okay. Là, ce match-là, les amis, je crois qu'on va se régaler. Ça prend. T'as pas joué cette année encore à Kim alors? Pas encore. Il a joué, c'est un menteur. Non, je te jure que non. Oh bâtard, ça, oh, tu l'as rentré celle-là. C'est vrai, mais toi qui l'as la Croatie, les gars. Écoute, donc, tu pars quand même avec. Mais franchement, un... penalty. Il y a pas penalty, il y a faute avant, il revient à la faute. Il y a l'avantage, enfin tu sais, c'est comme le foot et tout. Sur un coup franc, il s'énerve comme ça. Ça court, bah, elle va entre les jambes de ton gardien. Non, 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 tu joues les coups francs ou pas, quoi, Gotha? Oh, wow, oh, celle-là, je sais pas comment tu l'as. Je sais pas, je l'ai. Bon, c'est en tout cas, ça a changé. Non, non, Hakim, ça joue. Allez, 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 fini. Hakim, ça joue. Hakim, ça joue. Hakim, c'est un joueur qui joue au cerf. Hakim, les gars, ça va être. Hakim, ça joue. Non, ça joue. En vrai, les gars, je vous dis, il faut vraiment que Doig gagne. Il faut vraiment que Doig gagne. Doig est battable. Alors que Hakim, il est injouable, ouais. Mais Doig est fort aussi, les gars. Oh, la Croatie, c'est pas assez nul, hein. Bah, par rapport à. Fous, des paysages de ouf en vacances, des spéciales de ouf. Et oh oh, non, Doig, t'as chié. Oh là 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 là. Attends, c'était quoi le commentaire qui disait? Ils finiront pas les vacances ensemble. C'est quoi ça? C'est dans le jeu? C'est dans le jeu. Ah oui, ah ouais. Oh, oh, let's go. Ça sent beaucoup. Ah, regardez la tête d'Hakim, il a fait la même que moi. Il a fait la même que moi. Allez, vas-y, Hakim. Mets-la dans le but. Oui, oui, oui. Oh, moi je la comprends. Ah, oh, 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 celle-là. Il est trop lent, trop lent. Bien. Allez, Hakim, t'as le temps, il te reste une mi-temps. No panique. Ou tu tires plus, Doig. No panique. Compliqué, hein, c'est compliqué. Non, Hakim, peut-être Hakim, mets un plus rapide à la place de Kane devant si t'as. No, allez, allez, allez. Mais en vrai, sinon. Bien joué. Oh là là. Oh là là. Allez, pas, Hakim, pas. La passe. Ça, c'est la bonne attitude là. Voilà, t'es taquin. Oui, ça. Ah, dommage. Il se montre menaçant. Let's go. Oh. Oh. Hakim, c'est pas grave. Hakim, c'est maintenant. No panique. Mais nul cette phrase. Bien joué. No panique. Ah. Un vieux. Ouh là là. On est bon. Oh. Allez, Hakim. Allez, allez, allez. Voilà. C'était sûr. Voilà. Il est magnifique en plus. T'es un bâtard. Bravo, t'as bien pris un but. Tu l'as trop bien pris. Oh là là, oh là là. Attention, attention. Hakim, oh là là. Attention. Oh là là. Non, c'est pas grave, Hakim. La vérité sur Roman va éclater dans quelques minutes. Ouais, mais tu sais que moi j'ai fait ça parce que Hakim, on sait déjà. Non, mais Hakim, il surprend personne. On sait que c'est un mytho et qu'il sait jouer. Depuis tout à l'heure, on l'entend pas, les mecs. Il veut pas parler, il veut juste jouer. Ouais, je pense qu'il sait que s'il parle trop. Oh non. Il est beau, il est beau. Il est beau celui-là. C'est il est ça beau. Il était beau celui-là. Les gars, c'est pas fini. La lucarne, sa mère. Attention, il reste plus beaucoup. Ah, il fait tourner Doig. Aïe, 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 c'est pas beau. C'est pas beau ce qu'il propose. C'est pas beau. Oh, oh, Hakim, allez, Hakim. Allez, passe devant. Ça se passe là. Allez, allez. Eh, Doig B pour le spectacle. Oh, allez. Oh, Doig, s'il se prend un karma. Non, la chance. Oh, c'est maintenant. Non, non. T'as aucun honneur, c'est. Doig, plus jamais pour toi, mon ref. C'est honteux ce que t'as fait à la fin. C'est honteux. Et là, c'est honteux, là, en vrai de vrai. Non, un peu dégueulasse. Bien joué, mon gars. C'était pas mauvais. Un peu dégueulasse. Bien joué. C'est pas mauvais. Non, 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 c'est pas mauvais. Bien joué. Non, bravo, Doig. Il est gros, il est gros. Mais t'as porté chance, frère. C'est vrai. Ça joue, hein. Merci beaucoup. Mais les gars, j'ai pas de vitesse en défense. J'étais obligé de prendre 0. Oh, les chiens. Ah, donc, ouais, vraiment, je suis démon. Ah, donc, je suis à même avis, quoi. C'est ça. Vraiment, voilà, mais chez moi dessus là. Non, non, il est très très bon à Kim. Je vous jure, c'était un vrai gros match. Il, mais... lui. Il y en a un qui rigole pas, il y en a un qui reste concentré, qui est lui et mon conscient. C'était son tour. Roman, ton stream qui arrive bientôt. Roman, Morgan, il jamais fait ça. Moi, de l'autre. Dernier match du premier tour. Monsieur, la France rentre dans le tournoi. Ouais. Putain, je suis dégoûté. Est-ce que vous êtes fort à ce jeu? Je suis moins fort qu'Hakim. Il est trop fort. Un peu moins fort. Non, je suis beaucoup moins fort qu'Hakim. Mais tu joues bien. Ça va, on va voir. Pour ceux qui demandent, Roman ne peut pas montrer sa manette en live parce que c'est une manette personnalisée. J'ai pas le droit, elle est soumise à des copyrights très très sévères. Donc c'est vraiment sa manette à lui, il n'y a que lui qui l'a dans le monde. Donc laissez-le, vous allez voir en tout cas comment il s'en sert. Mais tu l'aides là? Un stade de France là? Et le stade de France, on le fait en mai. C'est ça. À la base, on devait le faire là, mais il y a les travaux autour du.
du stade. Ils devaient réduire la jauge. Et j'ai dit, ah non, on est à 60 000, ils veulent qu'on fasse le concert à 30. J'ai dit non. Tu as préféré attendre, repousser. Comme moi, l'année prochaine, je continue encore à faire des concerts, on a dit, ben on va le recaler là. Et tu as fait d'autres stades encore l'année prochaine ? L'année prochaine, je fais que des Zénith. Zénith ? Ouais, cette année, on a fait des stades. Mais le plus gros, c'était en Guinée, 110 000 personnes. 110 000 ? Ah ouais, c'était quoi ? C'était un festival ? Il y avait un artiste de là-bas et moi, j'ai jamais vu ça. Ouais, j'étais tellement content de t'avoir aussi, je pense, sur place. Ouais, moi, c'était la première fois. Par contre, je crois que c'est le pays le plus pauvre que j'ai vu. Je suis arrivé, j'ai pris un coup. J'étais là, j'étais tellement content de voir un concert. À peine à la première chanson, tu avais des frissons et tout. C'était un truc. Ouais, pour eux, c'était le son. Au niveau du son, t'arrives à avoir. On fait avec. 10 000. T'avais l'air ? Non, j'avais pas l'air, c'est impossible. Ouais. Par contre, je suis parti une fois, je fais Togo, 60 000 personnes. Je fais ma chanson Hero. Je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. Parce qu'il y a une phrase dedans où je parle de eux. Juste quand je dis la phrase, les militaires qui lèvent les calaches et qui tirent, les mamans qui pleurent, un mec qui arrive sur scène avec le drapeau qui m'entoure. J'ai fait, où on est, où là ? L'Afrique, tu fais des concerts de fou là-bas. Bah non, je suppose, en plus là, ça te donne envie. Concert de malade. Eh, le match, il commence, les gars. Allez, ça part. Ah bah oui, mais oui, il y a l'interface justement du mode Coupe du Monde FIFA 2022. Si vous lancez justement le jeu, vous l'avez aussi. Allez-y, c'est à partir du 9 novembre, tout simplement, que sur les consoles génération 4 et génération 5, PS4, PS5. On va gagner contre le. On va gagner à tous les coups. Et bien, la GDU aussi à l'époque. Ouais, ils avaient une grosse équipe, il y avait Henri Camara et tout, c'était mortel. Ils sont arrivés en cage. Oh là là, par contre, ça y est, Amine qui montre les talents de Benzema, ballon d'or. Benzema qui est généreux sur cette passe. Amine, par contre, t'as le time finishing, fais gaffe. Hein. C'est quoi le time? Ah voilà, time finishing, arrêtez de me faire passer pour un raciste dans un nombre de pays. Non. Ah non, non. Oh bordel, il n'y en aura pas beaucoup des comme ça, Roman. Pas sur le contrôle, il n'a pas pris. Il n'y en aura pas beaucoup, faut pas les gâcher. Bah ouais, frérot. Regarde la tête d'Amine, s'il vous plaît, mais screenez la tête d'Amine, s'il vous plaît, là. Mais non. Ah là là, mais c'est un même, regardez, c'est pas genre le même. Quand le bus est passé trop tard. Pas, là-bas, je trouvais que c'est un même. Non, normal là. Non, ça mine normal. Regarde, regarde sa tête là, on dirait pas genre quand ses parents sont pas sur elle. Qu'est-ce qui se passe, quoi, Amine ? Il va tous les faire. T'es sur les bases, t'es la base. J'avoue, voir le Sénégal gagnant là dans ce match, ça ferait un show. Oh, c'est possible ! Attends ! Mais attends, Dia ! Oh, l'extérieur de Dia ! Roman, t'as failli nous faire vraiment. Roman est dominant. Inédite en France. Roman est dominé. Je sais pas si c'est parce que c'était toi, mais il a fait le petit clin d'œil, le fameux là. Bah, tu vois ? Alors, pour une question d'équité, on a aussi maintenant un mème de Amine qui va nous être dévoilé pour voilà équilibré. Encore sur toi. J'ai une cicatrice. Il a pas donné. Là c'est juste on chie dessus là. Là ils sont voilà. Jamais sans problème. Là on va s'arrêter là maintenant la régie. Parce que qu'est-ce qui se passe, tu peux ouvrir grand la bouche juste vite fait. Ça me met à poil et tout machin. Frère, oh, c'est même pas mon corps. Non, c'était le maximum. Regardez sa tête à Amine. Ah là, oh oui là, oui là, j'ai là, là il y a un peu à faire là genre. Ouais, je sais pas. Pardon, pardon. C'est là. Quand tu Mais sortez-le, le mec. Sortez-le là. Oh, le sécurité. Screen miniature. Eh, sors d'ici. Il a 0. Il a juste vendu une clope. Hein. Tu l'as pris dans le poche. Une clope. Ça serait les gars. Ah, il a pas marqué là. Non. Voilà, ça vous le mettez en clip. Et c'est il en mode pas jouer. Quand les jours fériés tombent en week-end avec l'autre sur le plateau. Ah non, le week-end, les jours fériés. Oh putain, c'est la même. Il a toujours en poche, il sait exactement quel même sortir. Toi, t'es capable de noter tous les CM du coup de Twitter. Ouais, wow, je peux Amine dire, je peux dire Amine. Non, Roman, la, c'est ça, putain. L'arrêt du siècle et Amine, bon, allez, il croit plus. Allez, Amine, il y croit plus. Dans ma vie, et là, non, mais je peux le faire. Même ta régie le fait. Les gars, il lâche rien, Amine, mais il trouve pas l'espace. Il trouve pas ce qu'il faut, mais il pousse. Amine, tu fais pitié. Quoi, Amine, dernière action, frérot. De l'OM, Vodafone, sponsor pas du tout français. Les gars, c'est la dernière action, les gars. C'est 15 août. Allez, non panique, Amine. Oh là là, oh là là. Il a gratté les prolongations alors qu'on pensait que c'était fini à la 92e minute dans les derniers instants du temps. Il a bien joué. Là, il y a eu la goutte. Est-ce que Amine va être aussi bon sur le terrain de foot en live le 18 novembre prochain au Stade Tambouin et en live sur son Twitch qu'il est actuellement à FIFA ? Il va être meilleur. Wow, j'ai du mal à raccorder. C'est faire une promo.
Les gars, j'ai déjà joué avec Amine, il est beaucoup plus fort sur FIFA, la vie de mère que c'est vrai. Ah oui, il est vraiment un joueur pro, frérot, à côté de toi, tu t'as Hakimi joue au foot. Hein. Tu m'as fait. Attendez, alors pour l'anecdote, est-ce que vous savez quel joueur qui a joué dans, au niveau pro jouait avec Hakim en centre de formation? Un indice? C'est Morgan Schneiderlin. Ouais. C'est pas un indice du tout, je t'ai donné. Attends, mais Amine, là, il est reparti. Là. C'est reparti. Tout est reparti. Tout est à refaire. Non, par contre, j'ai joué avec Red Bull Booz, en vrai de vrai. Red Bull Booz. C'est un bon quand il jouait à Sochaux. Ah, il était trop fort. On était ensemble au collège Feffel. C'est que des doubles syllabes là. Par hasard. Ouais, grave. Et, redis un mot, j'ai joué avec Patrick Boum. J'ai joué avec Patrick Boum Boum. Et David Goodgood. Patrick Boum Boum. C'est pas mal. Mais tu Thomas Nakin, t'as vu l'histoire. En fait, tu connais pas Patrick Boum. On n'a pas le droit de rater. Tu comprends? Au collège quoi? Oh non, les gars. En Sopra l'avait vu, mais ça suffit pas. Attends, mais il est fatigué maintenant. Il y a un monde. Il y a un monde. Oui. Oui. Ça a pu être contre. Ouais. Ouais, ça aurait c'est pas fini, oh là, les mecs. Non, mais jure. C'est pas fini. Jure sur Prado. Non, Romano. Lâche rien, ce gars, c'est fou. Le mental d'Amine. Oh là là, dernière action peut-être pour Amine, c'est comme ça qu'il l'a fait tout à l'heure. Ça sort, ça sort. Additionnel. Attends, il y a Mbappé qui part. Ça serait très dur. Ça serait très dur. Il le sort, il sort. Bien joué. La fin de Roman, il fait semblant de sortir le gardien. Roman, c'est carré là. Ah ouais. Penalty, mesdames et messieurs. On y retourne. On y retourne. Ce qui se passe. Là, c'est dingue. Là, c'est dingue d'avoir une élimination sur penalty. Je rappelle qu'il joue la France, Amine, et qu'on a le Sénégal dans les mains de Roman. Et donc, il faut diriger une fois que j'ai tiré. Alors, en gros, le cercle rétrécit. Dès qu'il est au plus petit, tu appuies pour tirer et ensuite tu diriges. Mais il faut qu'il soit le plus petit possible. Ouais, parfait. Après, il faut mettre un peu de force et diriger. Là, ça manquait de force. Les gars, ça manquait de rester appuyé un peu. Sinon, c'était tout parfait. Allez, 1-0. Mais tu tires à gauche, non? Non, il va tirer au milieu. Il s'est tiré à Amine. Il va tirer comme moi. Allez, oh, il fait bien les tirer, même. Amine. Ouais, il les tire bien là. Oh là 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 là. Non, mec, qui a juste paqué des. Par contre, j'ai pas pris avec les scènes. Je vais le préciser. Oh oui, Roman. Roman qui lui montre, moi aussi je sais faire. Ouais. Aïe. Qui va rater le premier péno? Tu prendras pas de décision, tu vas tirer au milieu, tu prendras pas de décision. Il le sait. On est il est dans sa tête. Il vient d'attraper le pénalty de Kylian Mbappé. Et je fais la comme toi, je tire au milieu aussi, je tire au milieu. Et ça quand il est dans sa tête. Il lui chie dessus. Imaginez là, il l'arrête aussi. Allez, Amine. C'est pas fini. Allez, Amine. Faut juste en arrêter, hein, Amine. Sors-le, frérot. Mais non. Allez, c'est maintenant. Celui-là, on le sort. Il va prendre une décision. Il tirera pas au milieu. Il va prendre une décision. On le sait. J'ai qu'il y a du suspense, frérot. C'est maintenant, les gars. Je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. C'est maintenant. Ça se passe là, les mecs. C'est là, les gars. Roman. C'est maintenant. La calife. Il va faire parler. Dans les pieds de Gay. Il va tirer. Non. Bête de match, Amine, qui peut revenir à égalité, faut pas le rater. Tout ça pour quoi? Tout ça pour ça? Tchouaméni qui frappe. C'est la tête, ça fait pas. C'est dans la tête. Non. C'est fini. Victoire de Roman. L'équipe de France est out. Non mais c'est en vrai c'est les pénaltys, ça compte pas. C'est fou ce c'est qui se passe. C'est du hasard. Les deux gouttes. C'est qui perdent le premier tour. Waouh. Les amis, je vais dehors, je vais crier un peu, excusez-moi. Bien sûr, on peut. Crie là. Mon cri, il est relou, c'est pour ça. Le stress que t'as dû ressentir, Roman, déjà tu t'es régalisé à la fin. Le dernier, en fait. Viens reprendre ta place. Voilà, là il est bien le montage, s'il vous plaît, attends. Là il est bien le montage. Là je peux pas aller. Là le souci. Ah, tout ça pour ça, frérot. Moi je comprends qu'il ait perdu son match, hein. Regardez, déconcentré. Moi je vous le dis, il vit que c'était son poison. Pendant tout le match, c'était son poison. Non, mais j'ai son poison parce qu'il était mon poison aussi, sous toute ma gueule que je. Amine, on veut un mot, on veut un. Comment ça va? Incroyable, Roman, très fort, rien à dire. Force à toi et continue ce que tu fais, vraiment, t'es quelqu'un de bien. J'ai peur qu'il m'arrive une dinguerie. Vraiment chargé. Non mais les pénalties ça compte pas. Non mais t'es un bon gars. Pas du jeu. Premier match des demi-finales, mesdames et messieurs. Le gagnant du premier match, Gotaga, qui avait remporté. Moi je joue Squeezos. Voilà. Ouais. Contre Squeezie. Qu'est-ce que tu pourrais dire à Gotaga? C'est la surprise de la soirée. Ça veut dire qu'il a rien à perdre. Il joue et il s'en fout. Alors que Hakim il stressait, c'est vrai. Roman il stresse, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. C'est peut-être le seul qui est décontracté. C'est le seul qui est décontracté. La dernière fois il est venu, il a tout perdu, il s'en fout. Il arrive, il vient, il joue, il a pas de stress. Bah, le stress a peut-être arrivé parce que la première action de la part de Di Maria, bien donnée dans. Ouais, but de Messi. Ah ouais, non, mais bon. C'est bon. Bon, après. T'as raté le premier but. T'as raté le premier but. Je veux que tout le monde prenne un peu.
C'est le partage. C'est bien. C'est ça la valeur du sport. Bravo, bravo, je te fais bien. J'ai envie de vacciner. Le 19. Très bien joué, très bien joué. Très bien. Est-ce que Mbappé doit jouer? Est-ce qu'il faut l'économiser? C'est vraiment un match de R3. Il joue là dimanche. Il y en a plein qui jouent dimanche. Grenoble. Ouais, en même temps, les intérêts du club aussi. Ah ouais. C'est ambigu comme c'est bien. Un peu comme ce qui se passe là. Oh, Courtois, très costaud quand même. Mais tu castes bien. Merci. C'est vrai que c'est un peu la contre-attaque de Paul qui voit son allié sur le côté gauche. Qui va donner directement à Hazard. Redescends. Hazard, Lukaku. On entendait Lukaku qui perd le ballon. Les insultes. On descend. Mais De Bruyne. De Bruyne qui a perdu. Il y aura des coups. Oh, bien joué. Lukaku. La surprise. La surprise de la... Le tournoi, il veut rien dire. Arrête, Ami. FQZ, sale menteur, t'as joué au jeu. Mais Ami. Oh là là. Sale menteur, arrête de mentir, toi. Est-ce que tu vas dans la finale, là? Squeezie, c'est ça, 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 c'est mon Squeezie, ça. Faut rester concentré, parce que Gota, lui, vous avez vu, il sait garder son sang-froid. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a 1-1, il sait qu'il va avoir quelques occasions, et il sait qu'il va en mettre au moins une. Maintenant, la question, c'est est-ce que Squeezie en mettra une, non, mais deux, en fait, attention, Squeeze. Ah, Squeezie défend. Non, oui. Oh, la défense! Oh là! Mbappé, tu sais ce qu'on se prépare à Squeezie? Il n'arrive pas à activer le joueur. Ah, oui, Squeezie, viens là! À la panique, il a tellement paniqué. Ouais, faut, le fait, il faut changer le joueur, frérot. Je sais, frérot, mais. Ouais, Hakim, après, il a perdu. Hein. Bah oui, mais. Écoute-le pas! Squeezie, je suis tranquille, je crois. Eh, voilà, je vais faire un gueule, j'ai rien dit. En vrai, t'as raison. Tu sais, c'est qui a donné le plus de conseils depuis tout à l'heure? C'est toi, moi et Soprano. C'est normal, vous. Allez, vite. Hakim, il est fort quand même. Il est fort, Hakim. J'ai le seum, putain. Oula, oula, Squeeze. Oh, oh, oh là là. Il se trouve, hein. En plus, avec cette équipe, justement, de Belgique, tu peux tirer de loin. De Bruyne, il a une vraie frappe de loin. Ah ouais, De Bruyne. Même Lukaku, il peut allumer en dehors de la surface. J'ai l'impression que c'est pas fou, les tirs de loin dans ce FIFA. Bah, un peu moins que les dernières, ouais. En dehors de Futchamp, c'est vraiment fort. Dans Futchamp, c'est un petit peu moins, on va dire. En dehors, là, tu bourres, frère. T'as vu la lucarne que j'ai mis contre Ah, oui, bon, pendant... J'avoue, tu m'as mis un but de ouf. Oui, t'es bon, oui, Squeezie. C'est bien joué, ça. Oh, c'est bon. Bien joué. Oh, là, on passe à la gauche. Oh non. Oh non. Il panique. Il est resté appuyé sur le bouton. Mais oui, tu m'étonnes. Tout le monde est choqué. Mais venge-moi. Gota, anime un peu quand même. C'est ton stream. Bah, parle un peu. Bah oui, t'es... On est en haut. Je crois que t'as perdu, que je te rejoins. Oh, bien joué. Aïe, aïe, aïe. Ah, oh là, il a le meilleur gardien du jeu. Allez, Lucas, là. Il a tout simplement le meilleur gardien du jeu, ouais. Thibaut Courtois. Regardez le but de Gota maintenant. Non, ce serait horrible. Je le sens. Non, il frappe jamais. Malheureusement, Amine peut avoir le bon sentiment parce qu'il l'a fait tout à l'heure. Je vous jure, c'est le but de Gota. Il ne frappe jamais. Ah, bien joué. Vous avez totalement raison. Allez, les gars, bravo. Je frappe ce que ça fait. Il y a un défenseur. Prolongation. Ne t'énerve pas contre Hakim, il est là pour juste. Mais c'est vrai, comme je. Si je l'entends, il dit il frappe jamais. Mais il frappe. C'est pas méchant. Ça va t'aider là, frérot. Excuse-nous, frérot. C'est électrique, les mecs. C'est électrique, les mecs. On est en train de s'amuser, les gars. C'est un jeu. On remercie Esport. Bien joué. Oh là 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 là. Attention, les gars. On remercie FIFA. Attention, c'est chaud. On remercie peut-être Gotag. Oh, mais non. Oh là là. Frappe avant. Allez, Lucas, c'est maintenant. Maintenant. Coupe du monde j'y vais, frérot, il est pour toi, t'inquiète. Coupe du monde FIFA 2022. Coupe du monde FIFA 2022. Ah, merci. À partir du 9 novembre. Donc, à partir d'hier. Non, là, c'est but de Gota. Non, mais là derrière. Allez, fini. Oh, c'est maintenant. Écoute tes amis, écoute tes coachs. Qu'est-ce qu'il faut lui dire, Hakim? Comment le joueur peut louper ça? Ouais, écoute Hakim, il a bien perdu tout à l'heure. Mais le niveau est vraiment merdique, il y a des prolongations à tous les matchs. Calme, fais gaffe. Ne panique pas, c'est la dernière toujours. Attends, il a la dernière action. Tente-la. Ouais. Ah non, pas du la repasser. Dommage. Au moins t'as tenté. Penalty. Comment ne pas la sentir? Ça me démange de jouer, mais ça me démange d'avoir surtout le résultat de ce match de folie. Attends, mais quoi? Oula, non, merde. Non, il faut que je sache. Et pénalité de sort. Mais j'ai vu quand il était petit. Non, il était trop gros. Mais t'inquiète, la main à gauche. Oula, Squeezie. Bon, là, allez, concentre-toi, c'est rien. C'est terrible après l'effort qu'il a fait. Ouais. C'est pas mal. Il tient pas très fort. Hein. C'est pas mal. Ouais. Vas-y, Mathieu. Bravo, Squeezie. Comment tu sautes? Joystick de droite. Non, et gauche. Tu mets droite ou gauche? Allez, prends pas le risque. Squeezie, cette strat, elle marche pas, je te jure. J'ai essayé, ça marche pas. Ouais, ça pue la merde. Oh, bien joué. Oh non. Ah ouais, c'est dommage. C'est cruel. Ouais, les pénaltys. C'est cruel, les pénaux. Non. Et non, tout ça pour ça, les mecs. C'est triste. C'est marqué, c'est fini.
C'est triste, mais on perd Squeezie, mesdames et messieurs. Non, et Gotaga. Gotaga, on dirait c'est lui qui a perdu. Non, pas ce gars-là, son visage. Pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Non, c'est pas fini, mais. Il marque, c'est mort. Voilà. Ouais, oh là là, tout s'est relancé. C'est pas fini. Voilà, mais quand même, quand même. Squeezie, loupe pas. Attends, c'est historique, s'il remonte. Non. C'est fini. Gotaga, finaliste. Bravo. Ouah, comment je suis une arnaque. Bien joué mon frérot. Ça j'ai donné. C'est grave, c'est grave. Gotaga finaliste. L'histoire aurait été très belle que ce que je disais. Merci pour votre soutien, les gars. Ça m'a fait chaud au cœur. En fait, je sais pas comment transformer une action. Gotaga en grande finale. Allez, j'y vais. Vous, tu aurais pu. Ah là 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 là. C'est celle-là que je dois pas perdre. Ah merde. Dun Jessie. Oh là 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 là. Dun Jessie, c'est mon boulot. Eh oui, là. C'était sûr. But de la Croatie. C'est bien joué. Par Dwagby. Il reste du temps. T'en prends pas un deuxième avant la mi-temps. C'est même mieux si j'en prends aussi, pas d'autres. Des mots. Si j'en prends. Bah, j'avoue, j'ai dit des mots et ça. Ouais. Oh, il a pas que dit des mots, hein. Non, il a dit. Il y a eu des sons aussi. Il y a eu des sons. Écoute, moi, je propose du contenu, des divertissements. Non, c'est un mode de divertir les gens. Là. C'est ton entertainment. T'es complètement de ce bord. Toi aussi, tu m'as suivi aussi. C'est quoi l'actu? T'es dans combien de films cette année? Ah putain, frère. Bah, tu as tous les films qui sortent? Y'a Hakim dedans? Ouais, c'est ça. C'est pas un chiffre, c'est. J'ai pas compris. Tant mieux, ça. T'as affronté l'insider de la compétition. Ah, beaucoup de plaisir, le chat. N'hésitez pas à chatter. Il a plus rien. Aïe. J'ai l'impression d'en être. C'est la fin. Roman, on attend au moins un but pour sauver l'honneur. Et je crois que c'est maintenant. Est-ce que c'est maintenant? Non, je rigolais. Commentateur qui dit ça. Qui dit ça en live. Il y a un pas qui est des aléas qu'il n'a pas anticipé. Alors que son... ça, il refuse de se tromper. Elle est belle. Ouh. Oh. Oui. Non. Maintenant. Il s'est chié dessus. Ah, pour moi il y a 2-1 là. Dans mon livre il y a 2-1. Si vous voulez rigoler. J'ai l'occasion que je dois mettre et je l'éteins, je l'éclate. Bravo les gars. Bravo les gars. J'ai pas bien joué, j'ai fait ce que j'ai pu. T'es parti avec un handicap. Le Sénégal, t'as été bon. C'est le moment que l'on attendait tous depuis le début de ce live. La grande finale. Gotaga, ici à gauche, qui jouera avec son équipe de l'Argentine, qui a gagné donc dans un premier tour contre Mister V, et ensuite Squeezie, et ensuite Dwagby, qui a gagné le tenant du titre, en la personne de Hakim Gemini, mais également contre Roman. Ouais. À l'instant, j'ai une mémoire très courte. Messieurs, dames, c'est le moment qu'on attendait depuis tout à l'heure. Le match peut commencer. C'est parti. Oh, attends, là, c'est le mode final. Oh, il y a une musique. Ah ouais, carrément. Oh. Ah ouais. Alors, vous reconnaissez les belles rues. De la ville finale, que se situe la Coupe du Monde. On n'oublie pas de remercier eSport pour cette animation folle. Oui, mais alors d'ailleurs, eSport, voilà, qui nous propose un mode Coupe du Monde qu'on n'a pas eu depuis 4 ans. Parce que c'est la dernière Coupe du Monde. Parce que c'est la dernière Coupe du Monde. Et là, on est de retour avec le mode Coupe du Monde. On y est, ça y est, eSport, FIFA, édition Coupe du Monde. C'est la finale, c'est maintenant. Dwagby contre Gogo, Tata. Gaga. Le lancement gringos. Et c'est parti. Et les visages se contractent en ce début de match. Car ils sont stressés. Oui. Tu sens qu'ils ne veulent plus dire un mot. Allez, c'est parti. Oh, c'est bien joué. Ça commence déjà avec... avec une bonne défense de Gotaga. Oh, bien joué. C'est lumineux. Il est bon. C'est lumineux. Et vous croisez. Oh, une première intervention. Une première frappe de la part des Croates de Kovacic. Et le joueur qui l'a attiré. Qui a, ouais, et il faut tout recommencer cette frappe depuis le début. Attendez, je me sens mal, j'ai mal à la tête. Les deux ont l'habitude de s'affronter. Donc c'est le mec qui va un peu changer sa manière de jouer, qui va prendre l'avantage. Surtout qu'il y a une rivalité en dehors de FIFA. Ils s'aiment pas trop, les deux. Ils s'aiment. C'est vrai. Ah oui, ils s'associent pour le business. Ça, on doit pas le dire. C'est une relation uniquement professionnelle. En dehors du business, ça veut dire qu'il n'y a aucune amitié. Non, il y a de gars. Oh là là, poulet de canon. Je veux pas dire, mais je crois que ça joue que dans un seul camp. Modric. Nous n'avons toujours pas vu le gardien de l'autre côté. C'est ça. C'est vrai. Sur mes coups, il y a un avantage. On a apparemment vu le gardien en face. Oui, Modric. Oh là là. Gotaga. Sors un peu là. Mais Dwagby qui est en super saiyan. Fini le boulot, Dwagby. Moi j'aime bien. Oh, c'est bien joué. Oui. Oh là là, c'est d'une finesse. Oui, il va l'allumer. Oh là là. Est-ce que tu peux faire une gestuelle?
gestuelle qui t'appartient à toi, s'il vous plaît. Une célébration qui t'appartient à toi. Seulement à toi. Voilà, regardez la célébration. La Douagbanse, c'est la Douagbanse. Okay. Et c'est parti donc. 1-0 pour Douagbi. Ça joue des coudes. Allez. Il faut muscler son jeu. Gota, tu crois qu'on joue alors qu'on travaille comme qui? Gotaga. Gotaga, on se met tout de suite un extrait de ce son. Quoi, on peut pas? Un peu pas. Malheureux. Oh oui. Douagbi, tu envoies une énorme praline dans la lucarne de Gotaga. Bravo Douagbi. Désolé Gotaga, malheureusement tu as en face de toi un mec vraiment fort. On veut voir un Douagbi. On veut voir le gars de l'année dernière. En même temps qu'on parle, pendant qu'on parle, il fait une interview tout en jouant. Vous rendez compte de ça? Douagbi atomise. Et je dis bien, désolé Gotaga, mais c'est le mot. C'est le terme. Mais normalement, 3-0, je dois arrêter de jouer. Il atomise Gotaga chez lui. Est-ce que c'est dans ses bureaux? Tu t'arrêtes à combien, Gota? Mais moi, je suis chaud pour arrêter maintenant. Non. Ici, c'est le sport avant tout. C'est le e-sport avant tout. C'est la passion du jeu vidéo. C'est le gaming qui prime. Ce que tu viens de dire, ces valeurs-là, Gotaga, hop là, elles sont supprimées sur la corbeille et on vide la corbeille. Parce qu'en vrai, ça n'existe pas dans le e-sport, ces valeurs-là. Oh là là, ça va très mal. C'est vrai, les gars. Pardon, excusez-moi, je vous déconcentre, les gars. Alors que le match est vraiment très serré. Le match, il est pas fini. On peut pas entendre des voix qui tremblotent comme ça. C'est vrai. 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 Avec moi, c'est vrai. 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 Allez tout le monde, c'est vrai. Oui, c'est pas vrai. Allez tout le monde, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On a Sink m'a tué qui dit c'est vrai. On a Anna Viette Sink m'a tué. Bah de mentir. La vie de ma mère, il est passé là. La vie de ma mère, il est passé là. T'as pris l'accent de quoi? Je sais pas, c'est... C'est quel accent ça? Ah, espagnol. C'est pas genre Tony Montana, il disait pas comme ça. Attends. Si, il disait comme ça, tu fais baiser la vache, comme ça. Ah, c'est ça. C'est ça qu'il disait, non? Oh là. Le poteau. Une question pour Soprano, alors c'est quoi l'actu pour toi dans les prochains mois et jours? Ouais, alors d'abord les mois et après que les jours. C'est large quand même. Excusez-moi, est-ce que mon métier c'est intervieweur pro? Oui, alors je l'ai été 2 ans sur M6. C'est vrai? Ouais, j'avais une émission. Ça fait quoi? Qui s'appelait Tout pour la croupe, mais ça a été supprimé de la Comme une émission? Ça te rappelle ou pas? J'ai adoré ça. Diffusion combien de fois? Pas encore. Et TTP combien? Ah, moi je parle pas. Moi c'est l'avance, c'est pas ça que tu me parles. C'est vrai? Non. Les pizzas, je les vois gratuites de base. Et après, eux, ils se font une marge. Ah, bah oui. Il y a ta tête dessus quand même. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ah, j'ai cru que c'était Chris Brown, parce qu'on me dit tout le temps que je ressemble à Chris Brown. C'est vrai que je ressemble un peu. Mais oublie pas quand même que t'es un bâtard parce que à la base, tu demandais l'actu de Sopra. Les amis, attendez. Côté là pour l'odeur, dernière réaction, ça passe pas. Alors, Sopra, l'actu. Je suppose que toi, ça charbonne, tu passes pas toutes tes vacances en cosmopolitanie. Mais c'est vrai. Bravo! Bravo! La balle n'a pas marché. Bravo Douagbi, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on fasse un tournoi d'applaudissement pour le vainqueur de tournoi. Lâche la manette 2022. Bravo Douagbi. Merci beaucoup. Douagbi. Bravo, j'ai un peu cher. Merci, mettez mon pied. Bravo. Merci les frères. Merci. Bravo Gotaga quand même. J'ai essayé, mais j'arriverai jamais à remplacer ce niveau. Mais voilà, on vient de vivre une soirée extraordinaire avec un casting de fou. Honnêtement, bravo à tous parce que tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Pas forcément sur le jeu. Mais sur le plateau. Est-ce qu'on peut faire le meilleur perdant aussi de cette année et celui de l'année dernière? Donc c'est-à-dire toi de l'année dernière contre Mister V. Je vous jure je préfère ce match. Ah ouais ouais. Je préfère Squeezie Mister V. Allez. Problème avec ça, avec plaisir. Mais alors est-ce qu'on garde nos mêmes équipes? Non, France-Brésil. Cette fois plaisir. Mon honneur était sauf cette année. On peut faire France-Brésil. Squeezie, je pense que tu fumes Ivic. Et les gars, je vais tout donner parce que je veux qu'il y ait d'autres têtes que celle qui nous a fait tal. Je vais tout donner. Allez, ça part pour le match. Des nulos. Voilà. Des gros nulos. Oh l'intro. Nulos de l'année dernière contre le nulos de cette année. Qui sera le plus gros nulos confondu. Toute année confondue. Squeezie va gagner. Ah mais c'est France-Brésil. Yeah mec. Et c'est qui a la France? C'est ton gars. Je vous jure qu'avoir une équipe qui a un effectif de fou, bah ça change tout. Ça met une pression de malade. Mais zéro. Je te jure, ça met une pression de malade. C'est pas beau là. Votre effectif de fou, c'est Brésil en fait. Ça met une pression de malade d'avoir. Parce que tu te dis, si j'ai pas les compétences pour jouer avec. Ok, ouais. Voilà. Bon, repose-toi un peu. Ah voilà, je suis pas le seul. On est là. T'as quel âge toi? Moi j'ai. Oula. Ouf, pardon. 33 ans frérot. Ah de mentir. Oula. Si, ça. Mais non, mais t'as fondu un peu, hein. Tu fais quoi en ce moment là? J'ai fondu un peu. Oh, mais quoi?
Mais quoi? J'ai pas vu le but. Mais ça sort d'où? J'ai pas vu. Mister V, mesdames et messieurs, se réveille. Maintenant, laissez-le croire qu'on était à fond dedans. Ouais, mais oui, mais quel but de fou! Quel but de fou vient de vivre ici en direct. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, on peut le revoir, hein, tellement il était fou. Ouais, c'était fou. C'était juste. Non, mais c'est vrai, Hakim, c'était quoi ta diététique en ce moment pour que tu fondes comme ça autant? Je mange plus trop. Le mec bosse. Je fais attention à ce que je mange, la vérité. Tu même toi, t'as fondu de ouf. Hein. Merci à toi aussi. T'as fondu de ouf, toi. Tu te souviens comme t'arrivais pas à avancer sur le terrain? Qu'on a joué au 5 là. Attends, redis des. Ah oui, tu nous donner des dossiers. Non, mais c'est vrai, frérot. Moi, j'étais surpris, Damien. Mais pourquoi à ce moment-là, tu me disais pas que t'étais un gros lard? Parce que j'étais gros. Non, gros tu me disais que j'étais baisé à ce moment-là. Non. À ce moment-là, tu me disais que t'étais un beau gosse. Mais non, mais parce qu'on était pareil. Donc, oui, j'étais dans ton camp. Ah, du coup, nous deux, on réalisait pas. On réalisait pas le truc, en fait. Et les gars, il y a un truc à réaliser ou j'ai mal compris? Non, pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, quoi. Non. Peut-être moi, j'ai pas encore réalisé, tu vois. Si vous pouvez m'aider à réaliser, j'aimerais bien réaliser aussi, tu vois. Ça a l'air de sympa. Non, mais nous, c'était très mal réparti. Parce que je sais pas, je vois ta vie et ta carrière. Comment ça, il y a quoi qui est bien réparti, du coup? Non, mais corporellement, toi, fut un temps, t'étais pas très bien réparti, tu sais. Oula. Attends, mais j'étais mal proportionné. Ouais, ah ouais, frérot. Bon, c'est fou de dire que j'étais mal proportionné. C'est vrai que c'est la première fois que j'entends quelqu'un. Mais moi, c'est compliqué. C'est pour tout le monde. Le foot, c'est pour tout le monde, bien sûr. Ok. Même les gros boulards. Les gars, il a une défense, je sais pas quoi faire. Donne-moi des tirs de loin. Ça dépend comment tu joues, la vérité. Mais c'est vrai qu'il a changé son style de jeu. Non, si t'as plus qualité. En fait, lui, il voulait jouer comme un attaquant, mais il voulait commencer à lutter à défense. Ouais, je suis d'accord. Je peux pas. Mais après, au bout d'un moment, il l'a accepté, il faisait que des relances. C'est mieux. Et je pense que c'était sa meilleure période. C'est très humble. Attends, ouais. C'est pas de toi, je pense. Mais je sais pas comment il va jouer contre les Espagnols. Il parle de toi normal. On connaît les postes chacun ou pas? Mais je veux quel poste, Amine? Attaquant. Bah ouais, ça le problème. Non, mais putain. Tu l'as cerné, hein. Tous les Arabes veulent jouer attaquant. Tu l'as cerné très. Tous les quoi? Tous les Arabes veulent jouer attaquant. Ah non, c'est vrai. Mais il a pas tort. Non, c'est horrible. Non, c'est faux. Quoi? Non, c'est faux. Il y a des Arabes en première mi-temps. Oui, mais ils ont pas eu le choix. On joue un match là. Ils étaient deux, frérot. C'est très bien qu'ils marchent. Les gars, voilà. Ce match là il est vraiment éclaté. Je crois que tout le monde s'en bat les couilles. C'est éclaté, c'est éclaté. Tout le monde carrément là, je crois qu'on pouvait prendre la balle à la main et tout. Franchement, je donne 5 euros à celui qui me cite le buteur. Ouais, personne là, frère. Personne rien ce que je viens de faire. C'est un match catastrophique. J'ai mappé. 5 euros. Là, je me suis dit. Ah bah merci, frérot. Oh là là. Non, on dirait les matchs. Ça payait cash, hein. On dirait, tu sais, les matchs qu'on faisait à la récré quand tout le monde avait 9 ans et qu'il n'y avait aucune cohérence globale. Bah, c'est gâteau, plus ça. Personne sait dans quelle équipe il est. Bah, c'est exactement ouais, l'anarchie. Ça. L'anarchie. Ah, mais l'irrespect. De... Même non, je gagne Benzema, effectivement. Mais ça va, vous vous amusez, Squeezie, Eric? Je pense qu'ils ont pris plus de plaisir ici avec nous. J'ai pas fait un tir de la game. Soit à l'intérim, les frérots. Donc, c'est vraiment ça le dernier allez, match. But. Allez, allez, c'est parti. Allez, Eric, fais kiffer un peu. Et voilà, c'est au niveau du match. Arrêtez de faire les anciens, là. Mais fais kiffer un peu, frérot, fais un peu de spectacle, ça y est. Mais j'en ai fait depuis tout à l'heure. Oui, oui. Quel mytho. Allez, 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 Squeezie. Fini! Squeezie! Dommage. Presque. Oh, ça m'aurait fait plaisir, ça. J'ai essayé, les gars, mais j'arrive pas. Hein. C'est la dernière action. C'est maintenant. Squeezie! Tu veux peut-être dire un match? Oh, dommage, je sens. Un truc en ligne. Un truc en ligne sur l'internet. C'est fini! Les lignes à la salle, les Nikilos! Bravo! Squeezie! Bien joué, les mecs! Non, on aurait jamais dû faire ce match. En vrai, Squeezie, c'est horrible pour toi. C'est exceptionnel. C'est horrible pour toi. Bien joué. Squeezie, c'est horrible parce qu'il est passé de la surprise de la soirée au nulos. Regarde, tu sais ce qui me rend heureux, c'est d'avoir remis un sourire. C'est vrai. Regarde, il est premier degré heureux. Regarde. On dirait qu'il a gagné le tournoi. Et j'aimerais que la régie supprime officiellement l'image qu'ils ont affichée du coup. Non, le sourire. Non, on garde que le sourire. Non. C'est un nouveau Yvick. Non, on se rappellera que du sourire de Yvick, mesdames et messieurs, fallait vivre ça ici ce soir avec nous. On remercie PlayStation, on remercie FIFA pour la confiance, mais surtout on remercie tous nos invités. Et on remercie le mode Coupe du Monde qui est fou. Testez-le. Il y a plein de choses super intéressantes. Ça sort quand? Il est sorti hier. Oh, God, putain, j'ai trop hâte d'y jouer chez moi. Déjà disponible, donc allez-y. En ligne. Profitez-en. Merci Hakim Jemili, merci Squeezie, merci Roman, merci Amine, merci Mister V, merci Soprano. Merci à vous, merci à vous. J'ai kiffé cette soirée, vous êtes les bienvenus si vous voulez revenir ici. C'est pas vrai, c'est à chaque fois. Il a demandé 4 en soi. Meilleur commentateur de la soirée. Et en même temps, il gagne le tournoi. Il fait tout. Il est tout ce qu'il est. Bravo. Avec une chemise extraordinaire. Merci. Un petit mot de la fin, mon cher Hakim. Bah écoute, j'ai passé un très bon moment. C'était génial. Roman. C'était délicieux. Mais j'ai encore un sentiment amer. Je parle de ça. Votre match, catastrophique. Amine, petit mot de la fin aussi. J'espère que t'as pris quand même du plaisir avec nous. C'était excellent. Merci à vous tous et lâchez rien.
Okay. Contre nous. Vas-y, on lâcherait un bref. Histoire vie. Non, j'ai passé un super moment en jouant à FIFA mode Coupe du Monde. Et puis prends ta revanche face à Gotha. Voilà. By eSport. By eSport. Et c'est un plaisir en plus de partager ça avec la crème de la crème de l'entertainment français. Waouh. Et on va finir par les mots de notre invité de luxe, Soprano. Bah, moi, je me suis régalé. Je suis content. Il n'a pas pu se retenir. Ah, quand même, hein. Non, c'est pas. C'est vrai. C'est Soprano, on te réinvitera dans d'autres émissions. C'est fou d'avoir une tête aussi adulte et mature et aussi peu assumer ce qu'on vient de faire. Tu veux dire quoi par là? Bah, que t'as fait ça. Non, non mais frérot, Soprano sort de ce plan. Soprano, si tu veux, viens. Je préfère. Frère, bouge. Les frères, là, vous mettez votre image, les gars. Non, mais les gars, ils ne plus jamais. Non, mais frère, il y a le plus grand artiste. Mais moi, les gars, on met quoi, reste ici, excusez-nous, protégez au moins l'artiste. Là, le niveau. Ouais, mais voilà, mais laissez-les, c'est de là. Donc, on s'arrête ici. On est désolé. On fera mieux l'année prochaine. De plein fouet. Attends, je termine. Je comptais terminer. Mais oui, je comptais terminer. Voilà, je comptais dire, je me suis régalé. Merci pour l'invitation. Moi, là, j'ai envie de venir. Je me suis régalé. Écoute-toi. Mais quand même, je tenais à expliquer que quand même... On est désolé. L'odeur là-bas était quand même. On est désolé. On s'en tient pas à cœur. Désolé. En fait, c'est une collab qu'il vient de faire avec Camille. C'est une galère. C'est une galère. Bon, les gars, on. Il y a du muscle. On va essayer de se rattraper auprès de Sopra. Envoyez des messages sur Twitter. Dites-lui que c'est pas comme ça habituellement, que là c'était particulier. Les gars, ils s'en est pris 3 durant le live. Merci à vous tous, les viewers. Vous étiez très nombreux. On va ramener un déo là. On se laisse ici. À l'année prochaine, peut-être. Bisous, merci et merci tout le monde. C'est qui ça? À la prochaine, les gens. Tous. Yeah, coming in, flex, I just wanna win, LA BB, who we running with, 2-2-3-3, I'm on 10 again, state your name, been dope on flame.